handicapés en fin de match, en fait, vous avez semblé un peu plus éduqué que eux, qui semblent plus juste, plus en maîtrise. Est-ce que c'est quelque chose que personne ne fait aussi? C'est une équipe qui est très puissante. Vous savez très bien que défensivement, il fallait monter les curseurs. Il fallait pas qu'ils avancent avec le ballon, il fallait aller les chercher, gagner ses collisions. Mais effectivement, il termine mieux que nous. Et à la fin, on a des joueurs qui viennent jouer au sol. Effectivement, ça tapait vraiment très fort. Ce point-là, c'est quoi? C'est en règle générale, ce joueur-là, qui a plus de puissance, ou est-ce que aussi le fait vous d'avoir le match dans les jambes la semaine dernière peut aussi expliquer la fin de match? Ou est-ce que c'est une conjonction d'un peu tout ça? Je pense pas que le match de la semaine dernière, on est dans les jambes, on est bien récupéré. Physiquement, on était vraiment très bien. Mais on a pas les caches à la fin parce que pendant 20 minutes, on joue à 20 minutes, un quart d'heure même. On joue à 13. Donc là il faut prendre les espaces, il faut vite se relever, pallier l'absence du joueur. Donc je pense que là, ces deux cartons nous ont fait vraiment du mal. Donc après c'est, on est dans la course, quoi. On est en train de revenir, on est pas si mal que ça. Les turnovers, ils ont mis des stats économiques, des pénalités facilement données, et dès qu'ils venaient dans notre camp, ils se mettaient à la ligne, ils marquaient.